on se retrouve sur une nouvelle vidéo. C'est le Let's Play qui continue bien sûr sur One Piece Ultimate Fed World Red, où il y a un putain de méchant charismatique hein, qu'on apprend, hein, que vous n'avez pas vu dans les histoires bien entendu, mais même si ça spoil hein, l'histoire, hein, si vous n'êtes pas à jour, ne regardez pas, mais bon, vous loupez quelque chose quand même. J'ai vérifié sur le bateau, ils n'y sont pas non plus. On a perdu un peu de notre équipage d'un coup, hein, et on ne sait pas pourquoi, on essaie de les retrouver. Et je voulais parler de pas mal de trucs aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, hein, on m'a promis votre aide pour les travaux de construction dans la ville en échange de mon hospitalité. Le maire m'a chargé de recruter des ouvriers, mais jusqu'ici, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Encore un plan à la gomme, Nami piquerait une crise si elle le savait. 1. On m'a parlé de construire quoi que ce soit. On m'a pas parlé de... Bref, vous pouvez lire, etc. Mais bon, j'aime bien vivre le truc aussi. Si vous comprenez bien sûr le japonais, si toutefois il parle japonais, je ne sais pas. Bah alors pour vous, ça doit être facile. Hein. Mais en vrai, il devrait traduire tout ce genre de choses avec les voix officielles. Hein, mais bon... Je pense que ça demanderait trop de temps et trop d'argent surtout. C'est vrai, mais bon, ça augmenterait comme la satisfaction totale hein, qu'on a joué au jeu. Je sais pas ce que vous en dites. Ce lieu de rencontre par excellence, ça devrait ramener un peu de vie dans cette ville. Une taverne, hein, bonne idée. C'est que tu sais, je suis un super charpentier. Ok. Donc, apparemment, on doit construire une taverne. À l'auberge, tu peux développer tes ressources pour développer ta ville. D'accord. Sélectionne développer pour construire des restaurants, des ateliers et des tavernes. Très bien. Construire une taverne qui te permettra d'accomplir des quêtes. Développer, oui. En construction. La taverne est ouverte. D'accord. Donc apparemment, il y a un système de ville, hein, apparemment, où on peut développer, construire des nouveaux bâtiments. Ça a l'air plutôt très novateur, très sympa. Ça ajoute une nouvelle dimension au jeu One Piece. On a terminé. Non, j'aime bien, parce que il y a des trucs vraiment intelligents qui sont faits. Et tous les trucs intelligents, c'est une passion dans ma vie. Ah, on voit le méchant. J'aime beaucoup, j'arrête de parler. Il a une gueule, il a une sacrée gueule le méchant. J'aime beaucoup ça. Beau caractère design. Allez, j'ai du sable dans mes yeux. Ça va maintenant, je pense. Un vent chaud est chargé de sable sur la ville depuis ce matin. Dans le dernier épisode, j'ai fait une hypothèse comme quoi il pouvait contrôler le cerveau des gens. Le méchant, avec son pouvoir, mais apparemment c'est pas ça, puisqu'il y a un truc avec le sable aussi, enfin, voilà, bref. Je me demande d'où il vient, il ne contient pas le moindre désert. Peut-être que j'ai émis une mauvaise hypothèse. Ah, donc apparemment... Ok, emporte un filet à insectes et tu pourras capturer des petites bêtes un peu partout. Pour commencer, sélectionne le filet dans ta palette. Vise et appuie sur B. Très bien. Améliore ton filet dans un atelier pour le rendre plus puissant. Plus efficace. Une canne à pêche dans ton sac pour pouvoir pêcher à certains endroits de la vieille ville. Il n'y avait pas marqué vieille, mais c'est une lecture implicite. Hein. Les poissons attrapés te seront utiles pour cuisiner et agrandir ta vie. Dépêche-toi de pêcher. Plus améliore ta canne à pêche dans un atelier pour avoir des prises plus faciles. Ton coffre à l'auberge contient tous les objets obtenus au cours de ton aventure. Sélectionne organiser ça que depuis le coffre pour prendre des objets de ton choix. Donc au début, on nous explique un peu comment fonctionne le jeu, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment... Ok. Les objets judicieusement pour surmonter les épreuves qui t'attendent. Coffre. Prends des objets de ton sac qui est placé dans ton... Ok. Capsule de soin. Filet à insectes. Prendre, vide, canne à pêche. Prendre, capsule de soin. En fait, je mets tout. Hein. Retour. Voir coffre, capsule de soin. Blablabla. Riz, herbe amère. Ok, très bien. On a pas mal de trucs déjà. Cette femme près de l'entrée de la ville souhaite ouvrir une pharmacie. Elle affirme être une apothicaire de génie. Ses talents pourraient nous être très utiles. Va lui parler, tu veux? Ouais bah écoute, on va y aller mon pote. Hein. Non mais le jeu, c'est vraiment ouf. Enfin, je le trouve vraiment bien pour l'instant. Mais après peut-être qu'on pourra mettre des avis négatifs. Hein. Regardez ce qu'on peut faire. Hop.
On est Spider-Man, les potes. On est Spider-Man. Alors, bref, l'entrée de la ville, c'est où? Avance vers inconnu et retrouve tes amis. Ok. Alors. Ok, ah, c'est là, la vieille femme. Le vieil homme, peut-être, ne répète à personne, mais ce mien s'arrête parfois de tourner. Si ça arrive, jette un œil à ses ailes. Frappe-les et tu auras une bonne surprise. Je me demande si c'est à cause de ces oiseaux. J'aime le néo-rire, même si tout le monde me dit d'arrêter. Très bien. Le moulin, il est où? Tu as l'air en forme, il est là. Et apparemment, tout fonctionne. Hein. Tout fonctionne à merveille. Alors, toi, qu'est-ce que tu aimes dire? Parlez. Qu'est-ce que tu dirais de construire un atelier? Je suis sûr que tes efforts ont des conséquences positives. Vraiment, quel genre? Ça ferait enfin du travail pour moi. Crée un atelier et tu pourras t'en servir comme bon te semble. Allez, m'oblige pas à te supplier. Va vite sélectionner et développer à l'auberge. Ok. Ok, ok. Ok, bon, des fois ça va un petit peu vite, hein. Je vous avouerai. Mais. Bon, hein, on s'y fait. Alors. Avance vers l'inconnu et retrouve tes amis. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire avance vers l'inconnu, mais vous inquiétez pas qu'on va avancer vers l'inconnu. Ok, on est parti. Alors. Ah, salut. Je collectionne les ballons, mais il m'en faut plus. Encore 20 de plus. D'accord. La musique est bien. Putain, tout est entraînant, j'aime beaucoup. Salut mec, bienvenue à Transville, un havre paisible fondé par des voyageurs venus du monde entier. Vous avez jamais vu... Enfin, je sais pas, moi j'ai souvent des idées comme ça, mais j'ai... Au fait, aventure et danger vont souvent de pair. Alors n'oublie surtout pas les préparatifs. Utilise les mots d'aptitude pour renforcer les aptitudes de tes personnages. Sélectionne équiper mots d'aptitude depuis le menu. Pause pour en équiper tes personnages. Tu ne peux le faire qu'en ville. Alors prépare-toi. Bien, avant de partir en aventure, équiper mots d'aptitude. Niveau 3, résistance coup de coup confondant. Vide. Résistance foudre. Ah ouais. Ok. Bah, pour l'instant, j'ai pas de mots d'aptitude. Mais vous avez jamais eu. Enfin, moi j'ai. Alors, le vent semble, je vais jamais pouvoir en placer une, puisque le jeu est assez fourni. Le vent semble chargé de sable, ça me rappelle la fois où je me suis perdu dans le désert. Quelle terrible expérience, la chaleur était si intense que j'arrivais à peine à marcher. Chaque mouvement était un véritable calvaire. Je ne dois mon salut qu'au puits que j'ai découvert par hasard sur ma route. En tout cas, c'est sympa de parler avec toi. Punk Hazard, modifie ton équipage. Modifier l'équipage. J'utilise l'option modifier l'équipage pour sélectionner jusqu'à 3 combattants actifs. Tu peux définir ton équipe qu'en ville, alors réfléchis bien. De toute façon, là, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix. Intégrer cette équipe. Très bien, donc on est parti sur les 3 points d'exclamation. En espérant juste que c'est ça qu'il fallait faire. Épisode 2, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Revanche endiablée. Oui, je me suis rapproché du micro. Donc moi, je sais pas si vous avez eu l'idée un jour. Moi, j'ai toujours voulu créer une ville. Bon, imaginons, on peut tout imaginer. Mais créer une ville, genre dans la réalité. Hein. Je me demande si cette air chaud et sec provient vraiment d'un désert. Ma main droite peut tout dessécher. Ah, Crocodile. Ça faisait longtemps. D'accord, très bien. Donc Crocodile amène son petit grain de sel. Ah très bien. Très bien, ok. C'est quoi tout ça? Ok, petit bout de bois. On continue. Ah, des ennemis. Je me dis, on va pas faire le... Changer de personnage. Appuie sur 12 pour... Ou sélectionne... Changer de leader dans le menu. Pause pour contrôler un personnage. Et pose les aptitudes de chacun des membres de l'équipage pour garder... Bon alors, on a des petits coéquipiers. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que même moi, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à m'entendre, parler. J'espère que le son est bien calibré. Hop!
Bah c'est cool hein, mes potes font un petit peu le taf. Mes potes font le taf hein. Donc voilà, non mais en vrai, outre la législation actuelle, voilà, de devenir maire d'une ville, etc. Enfin, chi que pour 7 ans. Très, très sympa aussi les petits arrêts sur l'image comme ça. J'en étais où? Je sais plus du tout. On est dans un désert, très bien. Ouais, outre la législation actuelle. Ah ouais, donc c'est pas là. Hein. C'est pas là. R. Ouais, outre la législation actuelle, alors de devenir maire pour 7 ans, c'est là-bas que je dois aller, sûrement. Bref, non, mais avoir une ville à soi, à vie, tu vois, à vie, vouer sa vie au contrôle de cette ville, au contrôle et à la gestion, au fait que les habitants soient heureux, au fait de leur proposer des loisirs, de nouvelles infrastructures, bah je trouve ça exceptionnel, hein, je trouve ça tout bonnement exceptionnel. Mais bon. C'est pas possible, mais on peut imaginer, hein, bien entendu, des choses. Hein. On est là aussi pour imaginer. Hop. Apparemment, Zoro, il fait un carnage. Hein. Un carnage. J'ai presque besoin de rien faire. Hop. Mais je sais pas, améliorer, proposer des choses aux gens, c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans la vie. Par contre, ils sont assez coriaces. Hein. Non, proposer des choses aux gens, mais il y a vraiment des pépites comme ça dans la vie. Enfin, dans la vie de tous les jours, hein, des gens de, qui nous proposent des choses, hein, que ce soit théâtralement parlant, cinématographiquement parlant. D'accord. Non mais je trouve ça incroyable. C'est tout. Ok, donc là je peux restaurer mes HP. Genre ouais, donc voilà les gens qui arrivent à raconter. Enfin déjà même les. Déjà même ce qu'il faudra dans la vie, c'est lire, genre vraiment lire. C'est le truc que je pense que moi j'ai perdu personnellement à cause. Enfin, à cause. Grâce hein. Au PC à l'ordi quoi. Je pense que je devrais plus lire personnellement. Mais est-ce que... Oui, bah, là mon but étant d'aller là-bas. Si vous avez compris. Mais si vous avez des techniques ou quoi pour mieux lire. Bon, pour être motivé à lire. Parce que maintenant c'est surtout la motivation qui me manque. Quel frein. La flemme, c'est un frein de ouf. Ok, alors, donc on a que ça comme zone. Si vous aviez... Ah, il y a un pont là. Ah ouais, j'ai pas vu. Autant pour moi. Oh, je passe sur pas mal de sujets différents. C'est vrai que, voilà... Mais voilà, genre même juste. Je vais laisser ce fight. Hein. J'ai juste envie d'avancer là. Hop. Hop. J'imagine qu'on peut pêcher. Oui. On va pêcher un petit peu. Lance et patiente un moment. Le mini-jeu commence dès qu'un poisson aura l'hameçon. Les icônes défilent alors à l'écran, depuis la droite, et puis sur les touches, un petit peu au moment. Réussi et le poisson mordra l'énergie, puis le étant en partie. S'il s'enfuit, pas de panique, relance le même endroit par la même chance et le reprend. Attends que ça mord. Très bien. Ça mord. Alors là, je connais absolument pas les touches. Ok, super.
J'ai eu quoi? Un mollusque de 55 cm, quand même. Un mollusque doté d'une coquille en spirale incroyable. Plus elle compte de tours, plus il est savoureux. Chance doublée. Tu peux tenter un doublé et en te servant d'un poisson que tu viens de remonter pour en prendre un autre. Réussis un doublé et tu pourras garder les deux prises. A l'inverse, tu perdras les deux poissons si tu échoues. Alors, surveille bien le compteur. Tente un doublé, tu perdras tous les poissons si tu échoues. Arrêtez. Temps plus 2%. Attends que ça mord. Ça mord. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon, si c'est que appuyer sur X, c'est ok. Parce que je connais pas vraiment bien les touches de... Ah, là, c'est compliqué. Ah, bah là, j'ai eu un petit problème. Ah non, non, non. B. Ok. J'ai eu un petit problème. Mais bon, bref. Alors, ok. Oui, donc, ce que je disais. Je disais, ouais, même juste proposer un jeu comme là, le fait à l'heure actuelle, Madame Commandai, sur le jeu, sur le thème One Piece. Bah, même proposer un jeu au genre, ça me plairait de ouf, quoi. Bon, faut avoir les compétences pour pouvoir faire un jeu, créer un jeu. Et ça, j'essaye de m'y documenter le plus possible. J'aimerais bien créer une application, j'ai une putain d'idée de ouf, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à concrétiser la chose. Et voilà, c'est surtout beaucoup d'apprentissage, et j'ai envie d'apprendre. Mais le problème, c'est que y a toujours des problèmes, et j'en ai marre d'avoir des problèmes, c'est un truc qui me saoule. C'est peut-être une expression juste que je dis, hein. J'ai l'impression qu'il en sort très bien sans nous. Ah, donc on a retrouvé un petit peu l'équipage. Et c'est dans le scène d'attaque de groupe. Attaque de groupe, maintiens R et appuie sur B. Quand ta jauge d'énergie est pleine pour demander une attaque de groupe. Si tes compagnons répondent à l'appel avec un mantra, une attaque de groupe est lancée. À l'aide de tes compagnons, tu pourras triompher des adversaires les plus coriaces. Hop! Ouais, c'est vrai que pendant les phases de... Ok. Hop! Ouais, donc ouais, oh, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Je sais plus où j'en étais. Ouais, bref, proposer des trucs aux gens, quoi, c'est dingue. Je trouve ça dingue. Comme métier dans la vie. Parce que c'est assez polyvalent comme truc. Et comme je suis un mec qui se lasse assez rapidement, et comme beaucoup de gens maintenant. Parce que maintenant, tout va très vite, hein. Tout va très vite par rapport à l'époque, hein, même si je la connais pas, mais tout va très vite maintenant. Tout le monde a accès à beaucoup de choses très rapidement. Les choses doivent s'enchaîner. Et même dans les vidéos, truc que je remarque vraiment, il y a beaucoup de cuts maintenant, beaucoup de zoom sur caméra, sur webcam, sauf chose que j'aime pas. Où vous étiez, j'ai cru que j'allais devoir abattre un million d'ennemis tout seul, mais je pense qu'il y a toujours des gens qui kiffent l'ancienneté. Enfin, c'est un peu péjoratif de dire que c'est ancien, tu vois. Mais tu vois, quand j'avais 11 ans, je regardais les vidéos et il n'y avait pas de cut, tout ça, à partir de 11 ans environ. Je raconte ma vie, hein, mais bon, c'est peut-être fait pour ça une vidéo. Bref, oui, donc voilà, je regardais les... Enfin, en tout premier lieu, je suis passé... Enfin, j'ai découvert YouTube. Enfin, grâce à Minecraft. J'ai une chaîne sur Minecraft, ceux qui la suivent. Attendez, je vais juste baisser un peu le son. Pour ma personne. Et pour vous aussi. Voilà. Hop. Non, voilà, tac. Et donc oui, donc ouais, j'ai découvert tout ça grâce à Minecraft. Minecraft m'a ouvert pas mal de portes, hein, on peut le dire. Pas mal de portes sociales. Puisque j'ai rencontré beaucoup de monde avec ce jeu incroyable. En jouant sur des serveurs, hein, comme sur Carrion, qui est actuellement sur ma chaîne YouTube. Mon autre chaîne YouTube, enfin bref, mais bon, bref, donc ouais, les jeux vidéo m'ont ouvert pas mal de portes, mais m'ont enfermé aussi pas mal.
parce que justement on est moins concentré en cours, ainsi de suite, en tout ça. Enfin, on n'est pas moins concentré, mais on a moins de temps à consacrer, je pense. Là, je pars sur pas mal de débats, mais personnellement, je parle personnellement toujours, hein. Enfin, je, voilà, ça prend pas du temps parce que c'est un plaisir. En fait, c'est ça le truc, c'est que jouer, donc apprendre des choses, le meilleur truc c'est jouer et apprendre des choses en même temps, ou se faire plaisir, ou... Alors lui il a un bouclier, c'est ça qui est chiant, j'arrive pas à l'atteindre. Oui, donc oui, jouer pour moi donc est un réel plaisir et plus un plaisir, justement, et c'est le problème de l'école, que d'apprendre. Enfin, que d'apprendre, non. Que d'aller à l'école, que de s'instruire, parce que c'est pas la même chose en fait. S'instruire. Attends, parce que en fait ils sont assez coriaces là avec leur bouclier de merde. Ah, j'ai quand même lâché un Red Hawk pour un cum. Hein. Pour un cum du désert. Hein. Hop. Hop, oui, donc voilà. De toute façon, il faut le dire, le système scolaire français est pour moi désastreux, absolument désastreux. Absolument désastreux. Hein. Absolument désastreux. Bref, mais on reviendra sur... C'était quoi mon sujet principal? Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, ça devait me passionner puisque je suis parti sur pas mal d'autres sujets. Alors, on va essayer d'avancer toujours. Ah, donc voilà une zone, comment on appelle ça? Un truc. Bon, faut suivre les épisodes. Ennemi élimine les créatures armées qui se battent. Et tiens, trouve la source d'eau et obtient le mot. Ok, donc apparemment j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc, je pense. Ok, bah là, faut aller par là. Ok, faut que je trouve une source d'eau. Très bien. Ok, bah on va se fighter un peu. On va se fighter un peu. Bon, sachant que je sais pas ce que ça rend en vidéo, mais je pense que l'histoire doit être superbe. Moi, je suis assez fasciné. Ok, donc on a trouvé le trésor. Il est où? Il est où? Il est derrière? Il est où? Il est là-bas. Très bien. Ah, mais il y a encore des gens. Hop! Se trouver un mot-clé, la force de fendre l'acier. Très bien. On va les terminer ces petits trucs là. Et on va y aller. On va y aller, on va y aller. Ah là, je peux. Attends. Ah! Maintiens L pour verrouiller ta visée et sur l'ennemi du créateur. Appuie sur pour changer de cible. Appuie sur L pour annuler le verrouillage. Utilise le verrouillage pour te concentrer sur une cible et garder en vue. Oui, bah j'aimerais bien me concentrer sur cette cible. A! B! B! Oh là là, créature attrapée! Épuise-le! Le menu de capture de sac commence dès quelque chose dans le filet. Les icônes apparaissent blablabla. Ok. X, XY, 31X, 23, A. Mais c'est quoi ces chiffres? Mince, ma proie a filé. Bon. Je suis pas vraiment très chaud pour l'instant. En termes de capture. En termes de capture. Ah, trampolina. Utilise un trampolina pour retourner en ville instantanément avec tout ton butin. Ah non, j'ai pas envie de faire ça.
Ah, il y a un trésor là-bas. Obstacles et actions. Dans tes aventures, tu croiseras des obstacles qui t'empêcheront d'accéder à une certaine zone. Trouve le bon mot de puissance pour les franchir et découvrir ce qui se cache derrière. Course de Brook. Ok, donc pour l'instant, c'est pas ça du tout. Ok, donc apparemment, faut revenir plus tard, faut revenir plus tard. Déchiffrage de poneglyphes, ou je sais pas quoi. Ah, est-ce qu'on peut se le refaire? Ok. Alors les 36, tout ça, je sais pas ce que c'est. Ah non, mais ma preuve a filé. Dégâts 40. Ta preuve a filé, très bien. Bon. On va aller là-bas, on va continuer l'aventure. Ah, ils vont respawner à chaque fois, eux. Hein. Donc c'était pas là. Ok. Non, donc oui, donc pour revenir au tout début, donc oui. Enfin, avoir une ville, avoir sa ville, lui mettre un nom, lui. Enfin voilà quoi, mais il a dirigé à vie. Enfin voilà, passer sa vie à diriger sa ville. Ah merde. Mais attends. Alors. Journal? Aucune archive. Liste de synopsis. Ok. Donc apparemment, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le mot, j'ai pas trouvé le mot. Peut-être dans les ruines, c'est bizarre qu'ils mettent des ruines. Ah mais je suis bête. Ah non, je peux pas faire Y là. Ah mais il y avait un sous-sol. Il y avait un sous-sol, désolé les potes. Bah les mecs, va falloir vous emmener dans le désert. Hein. J'ai assez bu, je me sens toujours pas assez. Quel dommage que Sanji ne soit pas là. Pas faire pâte, un cuisinier d'un coup de plume. Si c'était possible, on pourrait enfin virer notre cuistot actuel. Chopper, creuse un trou. Compris. Et voilà, on a récolté les pousses un peu trop tôt. Peu importe, à table. Bien joué de Chopper et où sommes. Vous m'avez donné envie de travailler encore plus dur pour le boss. Un trésor est apparu. Très bien. Je sais creuser moi aussi. Ok, donc peut-être que ça... Enfin, peut-être que ce mot-ci... Il faut vraiment faire le tour. Hein. Ok. Peut-être que ce mot-ci va pouvoir nous faire... aller donc dans cette porte, nous faire aller, nous permettre d'entrer dans cette porte. Voilà, super, enfin, à travers cette porte. Tu as bloqué le X-cran, la force de fendre l'acier, je sais creuser moi aussi. Parfait, on peut maintenant accéder au palais. Non mais le jeu est vraiment bien. Non, on ne passe pas à la cinématique. Hein. On prend toutes les cinématiques, on le finit ce jeu. On le finit ensemble. On le finit ensemble.
Ok. Juste, il n'y a pas le sprint pour l'instant. On va ramasser cette fleur. Ok, ça nous donne juste 2-3 trucs de vie. Très bien. Ok. On va prendre les marches. Mais comment je fais avec les mecs avec des boucliers là? Ok. Bon, il est où le dernier? Il est là, il est mort, très bien. Ok, donc on découvre ensemble. Je peux péter ça? Non, non, pas du tout. Je peux péter ça? Tranchage. Tranchage, c'est Zoro. Technique de Zoro. Prêteur émérite. Zoro peut trancher les obstacles végétaux qui résistent aux attaques. Maintiens R et appuie sur A. Pour activer le mode Fury, nécessite au moins une charge légère. Le mode Fury, tes attaques sont plus rapides et plus puissantes tant qu'il te reste de l'énergie. Ok, tranchage. Alors attends. Ok, donc on contrôle Zoro. Problème, c'est que là, on m'a dit que je... Attendez, on va changer de leader, on va reprendre Luffy. Pousse-toi. Quand je suis arrivé tout à l'heure, ils m'ont dit compétence tranchage. Alors là, je viens de faire une attaque. Je viens de faire une attaque, très bien. Technique de Franky. L'immense puissance de feu Franky lui permet de pulvériser ses ennemis sans effort. Appuie sur Y pour prendre la pose et lancer une boule de feu dévastatrice. On dit ne charpenter, je peux fabriquer aussi des canons que les compagnons peuvent contrôler. Maintien Y pour assembler un canon. Une fois en position, l'artilleur dispose de 10 coups. Piloter? Mais c'est génial! Bon, bah du coup, je l'ai un peu niqué pour rien. Très bien! On va pouvoir contrôler d'autres personnes. C'est sympa aussi. On a une vision plus panoramique des choses. Ok. Ok. Faut pas trop maintenir les touches. On découvre la ville ensemble. Pas trop maintenir les touches. Bon, je sais pas trop où on va dans la ville, hein, apparemment, mais. Examiner. Poivre noir. Très bien, très bien, très bien. Bah mes potes s'occupent de tout hein. Je suis plutôt à distance moi. Parce que j'ai vu. D'accord, encore des ennemis, très bien. Ah, ruée fatale. Saisis toutes les commandes qui s'affichent pour lancer une ruée fatale.
Tant que dure la ruée fatale, tu infliges plus de dégâts à tes ennemis. Tu peux même les assommer. Ah là, je me suis installé, hein. Je me suis installé, j'ai les jambes sur mon bureau, tranquille. La ruée fatale est l'arme idéale pour éliminer un grand nombre d'ennemis rapidement. Hop, donc c'est un combat plus à distance, hein. Après vous regardez si vous souhaitez les nos potes se battre. Ah bah par contre il prend pas mal, hein. Il prend pas mal de dégâts. Il est assez lent. Je pense que Zoro ça doit être un bon délire. Ok, on va changer de personnage après. Les ennemis meurent plus vite, hein. Changer de leader. On va prendre Zoro. Hop. Il a l'air rapide et pour clean les zones, ça va le faire. J'espère que... Hop. L'ordinateur est très fort. Hein. Ok. L'ordinateur est très fort avec Luffy. Enfin, avec tous les personnages, j'ai l'impression. Enfin, plus fort que moi pour l'instant. Ok, il s'agirait de monter ça. On est parti. Petit jeu de mots, petit jeu de mots. Ok. Très bien, il a buté tout le monde. Donc j'ai mes amis en même temps. C'est plutôt assez OP. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ma garde. Ah non, c'est trop chaud de faire sa garde aussi près. Attendez, attendez. Attendez, je vais prendre ça. Ok! On commence à comprendre un petit peu les aspects du jeu. Ah ouais, j'ai mis ma garde. Là, je suis pas très serein, hein. Avec ce qui se passe.
Ah là, non, là, je me suis pris de plein fouet. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, c'est des gardes qui tombent comme ça. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, je crois que je l'ai la... Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Non mais c'était trop rapide là, c'était trop rapide. Les combats sont intenses hein. J'ai plus de PV. Ah bah ouais mais là mon pote Attends. Changer de leader. Est-ce que si je change de leader j'ai toujours autant de PV? Ah j'ai toutes mes, tout mes, toute ma vie. Ah ouais mais il met des claques. Je parle plus là. Ah ouais, non, mais là il avait préparé son coup et tout. J'ai appuyé sur B. Hein. J'ai très très envie de lui mettre un Red Hawk. Il va viser où là? Ok. Oh là là, une attaque de groupe! Ah, je lui ai mis pas mal de dégâts. Hein. Ok, on l'a buté avec avec patience, il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Mais bon, c'était du 3 contre 1. Ça, j'aime, c'est moyen. Et sinon, on n'y arriverait peut-être pas. Ok, il est parti. Épisode 2 terminé, les potes. Les épisodes sont courts et intenses, j'aime beaucoup. Pour l'instant, le jeu fait un grand chelem pour ma part. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous à tous.